À la Riviera Mputosyad, un quartier d'Abidjan, les populations découvrent avec stupeur que la SODECI, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, n'est en rien responsable dans la perturbation de la fourniture en eau dans leur secteur d'habitation. Ces populations doivent cette situation à des travaux mal maîtrisés d'une société qui opère dans la zone. Une entreprise de travaux publics en charge du bitumage des voies du quartier, dans le cadre des déplacements des réseaux, notamment des réseaux d'eau potable, afférents à ce genre de projet, a occasionné en tout cas la perturbation de la desserte en eau de ces quartiers. Il faut noter que ces travaux ont été faits sans autorisation préalable de la SODECI et sans assistance, comme cela est recommandé en la matière, des équipes autorisées donc de la SODECI. La SODECI, qui a constaté cette situation avec les populations, n'a pas perdu de temps pour mettre en route ses procédures de secours en pareille circonstance. Vu l'ampleur des dégâts créés par l'action de l'entreprise qui effectue des travaux de voirie, la SODECI a mobilisé ses équipes techniques pour aider rapidement les populations dans le besoin, avec notamment des camions-citernes qui ravitaillent quotidiennement les habitants de la zone. Lorsque nous avons été informés, nous avons tout de suite mobilisé toutes les équipes sur le site afin de pouvoir prendre en charge, prendre en main donc l'intervention et pouvoir assurer déjà dans un premier temps le raccordement des conduites principales qui ont été posées au réseau existant. Et là, nous sommes en train de reprendre progressivement l'ensemble des branchements des différentes familles qui ont été détruits à la faveur de ce projet. Nous nous efforçons d'écouter véritablement les attentes des populations, mais il faut noter que il y a quand même des protocoles en la matière, notamment puisqu'il y a le volet sanitaire à respecter. Donc une fois que les conduites ont été raccordées, il faut procéder à leur désinfection et avant de procéder donc à la remise en service. Donc les travaux vont se faire de façon concomitante. Une fois qu'on aura achevé le raccordement des branchements, nous allons procéder à la désinfection des nouvelles conduites qui ont été posées et faire la réouverture de façon progressive des branchements qui auront été repris. Si la SODECI est à pied d'œuvre pour remédier à la situation causée par l'entreprise en charge du bitumage des voies du quartier, elle dénonce cependant ce genre de travaux qui ne tiennent pas compte de ses installations. La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire assure par ailleurs à ses clients de la zone que ses équipes travaillent jour et nuit pour un retour à la normale, et ce, dans les plus brefs délais.